Argentine qualifiée pour demi-finale, mais il y a un pile bagaille pour changer dans l'équipe ça. Suarez dit que demain, Uruguay a battu, mais que lui reconnaît sans Vinicius, Brésil grand pilote à tout. La France qualifiée, toujours Mbappé absent, et gagné Espagne qui mettait Allemagne dehors. Nous allons partager toutes belles petites saillots ensemble avec un pile l'autre information. Mes abonnés d'amour, comment nous y est? Moi-même, moi en forme, quand on j'en ouais. Moi en forme, grâce à Dieu, moi m'espérer que tout le monde qui a regardé là, nous en forme. Moi envie remercier aujourd'hui, hein, salut les amis nous, qui pas chame la nous, qui toujours like, qui toujours partager, commenter vidéo. Même j'ai avec tout le monde, Thomas Zoyo, qui toujours fait ça. Je dis à m'gain deux, trois mondes pour me saluer, gagner monde Florida, yo, Orlando, Florida, pour précisément Jackie, qui a regardé nous là, Philippe, qui toujours là, et moi salue lui. Nous gagnons également, et Johnny Sevigne, Sevigne, c'est comme ça, moi l'écrit, moi salue lui parce que lui toujours garder vidéo nous, yo, et émission jeudi, nous dédié le bail Brunel, souffrant, qui plaît en pile, mais Brunel, même si nous pas salue Brunel, on a que nous, c'est à fait pas nous que nous pas vous fâcher avec nous, et émission jeudi, tout net, c'est beau. Ou même qui tombe sur Chanel ça pour la première fois, nous vous merci. Et n'a pas vite vous abonner, activer cloche notification pour pas jamais rater une vidéo nous. Nous souhaitons chaque monde qui a regardé nous là un très bon week-end. Et ce qu'on exact, vous merci au le fait que vous avez une chance pour nous capables informer sur le plan sportif. Je vous dis, nous avons un pile belle information que nous allons partager ensemble avec vous dans l'émission. Je dis, nous avons deux grandes nations de football qui remportent là. Et nous avons deux gros tontons qui étaient hier Argentine qualifiée. À ce qu'il y a un match, demain, nous avons dans la bataille. Nous allons parler de tout ça. Mais avant, nous allons informer sur Mercato. Parce que je dis, nous avons un pile mouvement qui fait dans Mercato. Il y a Chelsea qui conclut un accord là pour être capable de recruter. Portugais ça qui c'est Renato Vega qui a joué dans FC Ball. Et monsieur fait en 2003, il est un joueur polyvalent, il est capable de jouer en défense, il est capable de jouer dans le terrain également. Et dans quelques heures là, il gagne pour le quitter camp d'entraînement FC Ball là pour être capable de passer test médical li dans Chelsea. Et forfait li compris entre 14 et 15 millions d'euros. J'en veux dire, encore une fois, Chelsea vraiment présent dans Mercato ça. Gagne Marseille qui envisageait pour recruter Youssef Attal. Il est disponible sur marché A et il est ouvert pour le capable rejoindre Marseille. C'est ça que agent le rapporté. Et dans le jeu cap vini là, c'est une transaction qui est capable de faire. Nous gagnons Arsenal qui acceptait terme contrat pour le capable signer italien Riccardo Calafiori. L'a gagné un contrat jusqu'en 2029. Arsenal ensemble avec Boloy a discuté sous frais de transaction et demande là c'est 50 millions d'euros que les c'est lui seulement qui bat un petit problème parce que depuis ce maintenant n'a pas l'eau de transfert ça c'est lui seulement qui bat un petit problème et RC Ball côté que et Calafiori, c'est ancien joueur FC Ball, il a gagné en cause de revente sous joueur. Et si transaction en fait, FC Ball a recevoir 4,5 millions d'euros. Et dans la semaine qui a venu là, tout bagaille absolue. Gagné Paris Saint-Germain jusqu'à présent, qui a cherché toujours conseiller de gros noms, qui dans shortlist Paris Saint-Germain, surtout avec départ Kylian Mbappé. Yo poko tombé d'accord à pied joueur, mais gagné en pile contact cap. Gagné Paris Saint-Germain qui envie rapatrier Kingsley Coman. Kingsley Coman, c'est ancien joueur Paris Saint-Germain que lié. Il était quitté Paris, il allé dans Juventus. Après ça, il était débarqué dans Bayern. Saison ça, Kingsley Coman blessé en pile et gagné Campeny qui pas compté sur lui. Bayern envie vendre pour le moment, il a beaucoup fixé prix. Mais gagné Paris Saint-Germain qui bral chita là pour yo proposer un offre pour qu'elle se commande pour être capable de gagner un joueur. Et à remarquer, Paris Saint-Germain, il y a un pile joueur, un pile bon joueur, il conseille de joueurs qui a brillé dans les Coupes d'Europe là, il gagne dans la Copa América, il prend Ougarté qui est dans la Copa América, Coupe d'Europe là, il y a un pléiade de joueurs, Dembélé et Nuno Mendes, joueur ça que le gagne, il gagne et également et Fabien Ruiz que il gagne, il y a un pile joueur qui a bien passé. Pour vous dire que si
Paris Saint-Germain ou bien entraîneur a mis tout moun yo dans de très bonnes conditions, nous capable gagner un gros Paris Saint-Germain sans un superstar devant qui est chef de file, mais côté tout moun capable de mettre meyo à la patte pour nous capable gagner une belle équipe et Paris Saint-Germain. Et nous voyons que Paris vraiment présent sur marché transfert là et il y a envie d'un service qu'il se commande. Nan jou kap vini la, nan va di ou plus sou transfer sa. Nan pa avanse avec information yo, genyen également Chelsea ki nomme Achiwou Gaou et Seyi Olufinjana pou kapab superviser transaction yo en Afrique. M pa konnen si club sa yo genyen et agent en Haïti, mais lè nou te gen football, nou te genyen des agents des clubs européens qui te kon visiter championnat. Gran club sa yo nan tout continent yo gen ajan kap chache ti jwenn pou yo. Ki kapab entegre san de formation, yo achete ti jwenn sa, yo van li pi plus, e genyen de monsieur sa yo ke e Chelsea li nome pou yo kapab surveye afèl an Afrik, e mpense ke se on de e tre bon e nominasyon, e Navadou ki sa ke nominasyon sa yo apote pou Chelsea tre bientou. Genyen ansyen jwenn Barcelona ki se et Arthur qui se joue à Juventus, gagne plusieurs clubs en Europe qui envie d'un service Arthur. Nous songeons semaine dans un petit détiré Arthur pour nous. Côté m'dou que Dorival était supposé aller avec Arthur, sous pas gagner l'autre monde du tout, sous pas envie chercher l'autre monde, Arthur capable de servir. Mais galère pendant détiré Arthur là, grand pile monde qui a marché derrière Arthur qui sont belles joueurs. Et Ofio yo en pile et pour le moment Juventus et pour le moment Arthur t'a souhaité aller en Angleterre, elle t'a même envie retourner dans Liverpool côté il t'a fait un court passage dans club ça, mais Gale c'est en Italie que l'a prêté parce que De Rossi voyait agent lui al parler avec agent et Arthur pour connaître combien cob il a besoin pour déposer pour Arthur. Pour le moment cob là pour qu'on saute dehors, mais Arthur capable rete en Italie précisément dans AS Roma, mais gagne Nap qui gen tan fait en première offre et dans jou kap vini la na bon nouvelle Arthur pi plus chaque jour et s'il quitte Juventus n'a fort connait. C'est là nous camper avec nouvelle sous mercato yo, demain n'a vini avec plus nouvelle toujours ou pas besoin inquiéter. Nous nan Coupe d'Europe côté que je dis hein, c'est demi-finale yo et t'es gagné deux belles matchs. Il y a deux grandes nations football là qui tombaient. C'est Allemagne ensemble avec Portugal et c'est la France avec Espagne. C'est deux équipes ça yo qui qualifiées pour aller jouer demi-finale dernier carré Coupe de monde d'Europe là qu'a fait en Allemagne. Jeudi à midi, t'es gon très belle match. C'est Espagne qui t'a joué ensemble avec Allemagne. On dit que hier, il est pas facile pour jouer avec pays outlan. Parce que pays outlan li toujours vle fait le maximum pour le retenir dans compétition. Mais Allemagne c'est sûr que li fait maximum parce que Espagne t'est ouvri score, c'est Olmo qui t'est remplacé Pedri. Malheureusement Pedri li blessé, li gon problème dans genou et Pedri et y a passé l'autre test, mais Pedri a fini pour lui et Nagelsmann et Hansi Flick commence grand pile problème parce que son joueur que t'est compté sur. Olmo li remplace Pedri et c'est lui-même qui ouvre ce score là pour Espagnol dans la deuxième période la 51e minute de jeu et gagné Florian Wirtz bien tard 89e minute de jeu. Florian Wirtz mettait tous les deux équipes au même côté et dans prolongation 119e minute de jeu nous gagnons Merino qui scellait victoire là pour Espagnol et le ça Allemagne li éliminé. C'était un très bel match côté que deux équipes yo ont répondu coup sur coup, mais gagné Espagne qui t'ai gagné équipe y a plus jeune et j'aime te dire nous en mi-temps terrain Espagne là avec mi-temps terrain et Allemand t'es capable de répondre. C'est 50-50 match entier. Son petit détail qui fait que je viens à parler de Espagne au lieu de parler de Allemagne. Football là c'est ça lié et Allemagne l'a éliminé dans propre Coupe d'Europe li et dans quart de finale que li éliminé. Gagné et formation qui a dirigé par de la Frontea, ou bay tout ça ou capable et gagné pour demi-finale là gagné quelques joueurs qui a manqué Espagne, gagné Cavall malheureusement qui pas capable là et bonne nouvelle Morata il pas prendre carton jaune. Morata la là dans demi-finale là
face à la France pour Espagnol yo et gagné Allemagne qui sorti dans Coupe d'Europe ça. Et gagné Emerick Laporte qui c'est défenseur espagnol, il dit que nous très fatigués mais nous contents. Égalisation à la 88e, 89e minute de jeu, t'es causé nous un pile problème. Mais nous t'es gagné ressources et nous t'es fait face avec l'équipe allemande là et dans la prolongation, nous t'es joint le dessus sur l'équipe là. Il dit que moi, je voulais remercier les joueurs qui t'es rentré au cours de jeu, yo. Yo t'es poté et 109 et yo t'es aidé nous pour nous t'es capable de faire deux périodes et prolongation très bien et nous content le fait que nous qualifier pour demi-finale. Gagné de la Fuente qui dit que joueur mieux insatiable et me content pour moi entraîner de tels joueurs. Il dit qu'il y a d'ailleurs, me connaît longtemps. Même senti me content le fait que joueur mieux voyé dans demi-finale. Il t'a parlé, il t'a remercié également l'équipe allemande là, côté que il salue talent Toni Kroos. Toni Kroos, je dis, en ses derniers matchs, Toni Kroos, dans sacré le football, tout bagaille fini. Et t'as gagné une belle fête quand même, parce que t'as gagné plusieurs joueurs, espagnols et allemands, qui t'es venu saluer Toni Kroos, je dis, hein, qui quittait ça net, tout bagaille net fini. Nous gagnons un sélectionneur allemand, qui c'est Nagelsmann, il parlait de Toni Kroos. Il remercie le joueur par lui, et d'une part, et d'autre part, il dit que entraîner un joueur dans le calibre Toni Kroos, c'est un honneur. Et il est bien content que dernière danse, il danse ensemble avec Toni Kroos. Et il était quoi que Toni Kroos fait partie de l'un des plus grands joueurs allemands. Et moi-même, moi, pensais ça tout parce que Toni Kroos, il prend plusieurs belles titres en club et en sélection, dont en Coupe du Monde. Et Nagelsmann dit, nous pas souhaiter quitter Coupe d'Europe là parce que nous avons des amis, famille qui t'a regardé nous. Et malheureusement, football là, ça tout. Nous quitter ça, nous allons travailler pour nous capables de tourner plus fort toujours. Et malheureusement, Allemagne éliminée, c'est Espagnol qui passe. Mais à 3h, tu as eu l'autre bel match encore. C'était la France qui était face à Portugal. Tu as eu une heure de revanche, mais et la France prend revanche sur les Portugais. C'est dans le tir au but que ils ont qualifié. C'est 5 tirs au but la France sur tout passé. Et gagné Joao Félix, joueur FC Barcelona, il a raté pénalité par là, et Portugais ou pas même besoin, shooter dernier grenant, il a été éliminé. Rappelez que, dans le match, ça, Cristiano Ronaldo, il a rentré pénalité par là, mais, et Portugais ou éliminé. C'était une très, très belle rencontre. Côté que, la France, t'es voulu opérer par transition, mais c'est une démarche qui pas bon pour Français, parce que ça me va dire en contingent dur, pour opérer par transition, faut qu'on gagne attaquant. Et je dis, pour moi, la France, pas de attaquant. Kylian Mbappé, qui t'a supposé attaquant, parce que c'est une question 9 qui t'a mis et Kylian Mbappé joué. Jusqu'à présent, nous avons 5e match dans Euroa, Kylian Mbappé, pour qu'on chambre qu'à répondre présent. Mbappé, il est cadré une seule fois, je dis, dans presque 120 minutes, parce que c'est dans le deuxième temps, prolongation, que li sorti parce que te recevoir un coup de boule dans visage et n'ayant ta balle problème Kylian Mbappé t'obligé à chita. Est-ce que nous capable prendre excuse n'ayant pour Mbappé? Moi m'a dit non parce que depuis dans premier match là Mbappé pas montré de très bons signes. Malheureusement et Mbappé français ont commencé grand pile problème parce que la France il fait seulement 3 goals et il rivé là dans demi-finale. Et Mbappé fait un seul grand goal sous pénalité. 2 goals que vous faites, c'est autogol. Et là, je dis, c'est 0-0 match fini. C'est dans tir au but que vous éliminez Portugal. Mais quand même, pendant que la France n'a pas gagné attaquant, faut que nous félicitions la France parce que, en défense, c'est très beau. La France prend un seul goal et sous pénalité que vous prenez un goal. C'est ça que je t'ai dit hier, là. Préférez ou gagner très laid, ou pour une belle équipe, ou pas cadrer, ou pas faire goal, ou pas 10, mais on est en demi-finale, parce que vous passez boule, ou une belle équipe, même avec Portugal là qui est éliminé, une belle équipe qui fait jouette, qui dit ce qui date, mais ou éliminé. C'est ça que je dis pour le Brésil. C'est fait. Passer pour ou éliminer et vous dire que c'est une très belle équipe, mais ou qualifier ou pas jouer au football ou bout dit. Et ou ça la France fait, li pas kabay gol, li bat tout le papa. Et nous féliciter la France parce que et la France là, Didier Deschamps, je ne crois pas qu'il y a capable de nous entraîner, même déjà Didier Deschamps. 2018, il est champion. 2022, il fait finale. 2024, il est en demi-finale, Coupe d'Europe.
c'est bravo à Didier Deschamps et l'œil qui t'a équipe ça dans pile sac bagaille qui pour faire pour rejoindre en remplaçant Didier Deschamps et la France les qualifier. Portugal bon côté pas il était vlé opéré ou bien opéré par des attaques placées. Ça qui était capable de marcher parce que il y a 4 attaques franches que rejoindre malheureusement yo pas arrivé utiliser trop bien. Malheureusement pour Cristiano Ronaldo, il pas de une attaque ça obtenir dans piel. Léao qui était très bon, au même moment pas t'a sorti Léao, il était capable toujours jouer à Joao Félix mais Léao s'il était là, ça t'est qu'arrivé, il pas raté pénalité pas là. Mais faut qu'il y ait une qui raté et c'est Joao Félix qui raté qui était inconsolable après coup de sifflet final là et Portugal pas arrivé fait ça que gain pour fait pour te faire ya. Ça me t'a dit que cadré puis plus et tiro ou bien offensif que t'a mené en pour te faire le plus bien yo éliminé et c'est une très belle équipe et portugaise qui éliminé la France li avancé dans coupe d'Europe là toujours sans briller et sans Kylian Mbappé sans un bon Griezmann et toujours sans Giroud que yo arrivé côté arrivé là bravo à équipe française qui a avancé dans et coupe d'Europe. Et n'a dit que pour match Espagne c'est Dani Olmo qui finit l'homme du match et pour match Portugal là moi ouais au bail Dembélé moi même c'est Vitinha que me t'a Dembélé il rentre dans deuxième période là moi même pas t'a bali et l'homme du match ça c'est opinion pam moi pas t'a bali mais UEFA il fait 2 tirs 0 goal et c'est lui même qui finit l'homme du match et mardi n'a gagné demi-finale et demain n'a gagné 2 belles matchs, c'est Angleterre à midi qui a joué face à la Suisse et n'a dit que Jude Bellingham sanction a changé à part de 25 millions pour le bail c'est 30 millions et la bon match de suspension demain nous pas connait si la prend match ça mais il gagné un match de suspension et Pays-Bas Turquie a fait à 3h demain et après n'a venir avec tout ça qui passait et demain n'a connait deux l'autre pays qui qualifié pour demi-finale. Nous, dans la Copa América, hier, premier quart de finale, nous t'ai joué, et c'est Argentine qui t'a joué face à Équateur. Dans l'émission que m't'ai fait hier, moi t'ai dit, nous, sous le papier, Argentine est largement favori. Même pas de blier pour m't'ai dit, nous, tout que, pendant le match-là, joué, Équateur capable de créer surprise, et c'est ça, Équateur manque fait. Équateur, est supérieur à Argentine du début à la fin. Yo perdu et devant Argentine nan tir au but et là ba dit quel que soit équipe qui quitte Argentine mais non là ou a éliminé pas samedi mais Équateur pas gagné tireur important yo pour le faire ça. Équateur vendanger toute belle action que ont joine et gagne Valencia qui raté en pénalité dans fait match là Caicedo te gon tête pour le faire son tête placé pour le mettre malheureusement li raté tête là et Argentine te kanan courir dans moment n'a parlé là et moi même c'est pas équipe Argentine qui bat Équateur c'est non Argentine qui bat Équateur problème que nous Argentine gagne Argentine li préparé Mathieu avec trois petites équipes et rendu au monde nous fréquenter c'est Louier bon pour le vérité si bon type de monde toujours à côtoyer un beau jour pour gagner même habitude yo ou pour parler même gens avec yo ou pour habiller presque même gens avec yo. Argentine a force que la joue avec ti équipe ou venir Argentine parce que gagne même habitude à ti équipe. Li gagne et automatisme c'est vrai et tout joueur joue, yo fait un pile goal mais on y a li vinn blier comment pour jouer face à les grandes équipes. Niveau Argentine nan vinn baisser ou bien nous ni pas même gagne niveau que le gagne dans coupe du monde parce que l'on joue à ti équipe ou vinn prendre niveau ti équipe. C'est ça que li. Hier, si c'était Colombie, moi même dit Hugo, si Colombie qui était face à Argentine, Argentine t'a au passé même gens avec Almaï là, quand on a parlé là. Parce que Argentine hier, yo pas proposé rien et ça qui était plus dur dans et sélection Argentine hier, c'est que Argentine t'a joué en moins. Léo Messi hier, il vraiment pas pesé dans rien que Argentine t'a proposé hier. Et même pénalité à Messi raté. Et le Argentine gagne Messi titulaire, vin gagne on Messi dépendance. Même si on connaît Messi, comment c'est baissé, Messi en fin de cycle, c'est comme si tout Argentin respect que on pour lui, il a toujours pensé que lumière là qu'a vini de par lui-même. Ça pas voyer la Otaro, pas de performance du tout. Tout Argentin au mettant tête de Messi sous terrain, il est capable pour tout bagage.
et c'est Scaloni qui peut changer ça, parce que il est avec Messi, parce que Scaloni te dit, tout autant Messi voulait jouer dans la sélection, elle a joué. Ça veut dire tout, Messi, pour Scaloni, faut qu'il mette dans le début match. Non. Messi lui-même, faut le voir que ce problème qu'il crée qu'on y a, parce que Messi vient pas capoter ça là, capoter à encore. On me dit, bon, Scaloni, on fait équipe là, bon, je vais 20 minutes, bon, je vais 30 minutes dans le deuxième période. Là, Messi n'a pas Messi qui est plus frais, un Messi qui est plus réaliste. Et peut-être que si Argentine a mené 2-3-0 ou bien 2-0-1-0, Messi est capable de plus utile. Mais dans la demi-finale, ça, même si c'est face à Canada ou bien face à Venezuela, Argentine va jouer. Si Liban a la même prestation que Liban hier, là, Argentine est capable de gagner en pile problème. Et problème, non, il est capable de dire c'est Messi. Parce que Fok Messi conscient que il pas capable bonne 90 minutes là et nous chagrin le fait que nous pas capable bonne 90 minutes et Mascaloni qui pour chita pour changer ça. C'est et Martinez qui finit l'homme du match et nous connaît que il met deux pénalités depuis où arrivé là avec Argentine ou presque perdu et hier Équateur était juste manqué réalisme, c'est ça qui fait il pas éliminer Argentine parce que Argentin yo pas proposé rien mais yo pas joué rien mais c'est yo qui dans demi-finale. Et il y a un adversaire à soyer qui a joué à 9h à gagner Canada face à Venezuela. Demain, a gagné deux belles matchs. Demain, c'est Colombie-Panama à 6h et à 9h a gagné Uruguay-Brésil. Gros moment à la bataille demain à 9h. Moi-même, je souhaitais que Brésil fait un bon résultat parce que si le résultat n'est pas bien tombé, on me secret les Toutou, on me secret les Philippe, on me les Camille, Louis Saint, gagné tout et Jackie, regardez nous Florida, nous gagné et Roro Pétionville, monsieur ça on pas kakembeo, Bounet Saint-Mélus, Paul Eliezer, on pas ka Godlem, on pas kakembeo, et toute fanatique à Brésil, on pas kakembeo, moi souhaité retirer comme dans bagay ça, pour moun pas venir voir et puis le message, moi demander ça passer comment moi bagay yo, que Brésil bat deux. Brésil a gagné un léger désavantage parce que c'est sans Vinicius que l'a fait le demain. Et moi-même, moi d'accord avec déclaration Suarez là qui dit que même sans Vinicius, Brésil toujours été une équipe qui est injouable parce que il gagne des joueurs qui capable remplacer Vinicius très bien sur terrain. Moi-même d'accord parce que gagne Savinho, nous gagne Martinelli, tout le monde ça au demain, yo capable et joindre place sur terrain en absence de Vinicius. Gagné Suarez, qui est titulaire dans l'équipe là, qui joue tical match. Suarez dit demain, faut que nous battre. Et demain, il dit son occasion pour nous capables montrer qui ça nous est, montrer qui ça nous voulait faire. Il dit demain, pas besoin de pièces, moun, a bien beau jeu, a bien un bon match, mais l'espérer que Hugo est passé, c'est ça que Suarez dit. Et il dit que nous pas focus parce que Vinicius pas là. Et Brésil gagne plusieurs autres joueurs qui sont capables de faire différence. C'est ça que Suarez dit. Et c'est ça ce qu'on exact dit également. Absence Vinicius a apaisé, mais il y a un joueur qui est capable de parler avec absence là. Demain, composition probable Brésil face à Uruguay, c'est 4-2-3-1. C'est Rodrigo qui prend pointe. Derrière, c'est Danilo Militao, Marquinhos, Wendel. Mitante de yo, c'est Guimarães Gomes. Et puis, il y a Rafinha, Paqueta, Savio. Rodrigo a devant ses compositions probables là. Mais demain à 9h, nous allons avoir une autre composition que Dorival et Mette. Vinicius souhaite toujours bonne chance. Demain là, aux abords du terrain pour être capable de pousser l'équipe Brésil là. Et gagner Neymar tout, cap dans le tribunal qui a poussé pour Brésil capable de faire un bon match parce que Brésil, il y a des problèmes. Brésil anti-Jean, pas trop droite. Mais nous espérons devant Uruguay demain, nous allons vivre un gros, un bel moment football parce que c'est deux belles équipes demain qui a joué. Et si Brésil respecte tête, nous sommes capables toujours de gagner Brésil-Argentine dans la finale. Parce que après, s'il passe Uruguay et si Colombie bat Panama, a gagné en Brésil-Colombie encore une fois. Fois ça, c'est avec Vinicius encore. Cap là. Et si Argentine passe et Canada ou bien Venezuela, nous capables de retrouver deux plus grandes nations sud-américaines dans la finale, même j'en satisfaite, et nous changer résultat. Et nous ne connaissons pas même bagarre la fête, mais quand même, nous t'as souhaité nous être deux grandes nations football ça yo dans la finale. Mais nous, pourquoi là, faut que Brésil passe Uruguay en avant, et après, n'a parlé de ça. Et Nabzou également, j'en ai dit déjà,
te genye un pénalité que yo pa bay Almay. Genye un page Liga, bien Liga qui parlait, par contre c'est parce que c'est Espagne, mais il dit que yo pa bay pénalité a au départ full coupe ballon te jwenn en main, c'est raison ça qui fait bay pénalité. Mais sans raison ça, nous tout ouais à clair que ballon nayé dans mes courre là habitant pas baili et là c'est un autre débat. Demain dans match Uruguay et Brésil là c'est un Argentin cap sifflet et en pile mon a posé cette question mais m'a dit nous nous capable peut-être fret parce que arbitre yo fanatique tout mais yo mandé arbitre pour capable gain professionnalisme un Argentin capable arbitrer un match brésilien. Mais nous connaissons que nous allons suivre tout coup de sifflet, mais demain ça va arriver au fond bon match. Parce que nous songeons en 2002, Ronaldo tiré en moi, elle était ouais, c'est Colina qui va arbitrer match. Là, parce qu'elle dit, monsieur ça, pourquoi chambre à siffler match moi pour me faire bon match? Et Brésil, c'est champion. On montre que et on sifflait à Argentin et cap et arbitrer au match Brésil. On sifflait Brésilien cap à arbitrer au match Argentine. Ça n'a pas de problème, mais c'est les bonnes décisions pour vous prendre, bien que CBF là, il critique l'arbitrage brésilien, il critique la confédération honnête, que ne pas comprendre les gens qui ont géré le Brésil, mais espérer demain, n'a va vivre un bon moment de football sans parler en pile, et c'est seulement sous ce qu'on a comme tout son patouet, et tout ça, ou pas de comprendre. Moi, t'es content de partager toute information ça ensemble avec vous. Moi, tout le monde m'a cap garder mieux là moi dis nous merci et Tomazo qui campait red et Square Exact campait red ensemble avec nous tout bon week-end nous pas c'est Mirland bye bye tout le monde nous tout net nous c'est Square Exact.